C'est un réseau pas comme les autres qui a été démantelé par la brigade ville de gendarmerie de Kossiam. Il est spécialisé dans un trafic de personnes et placé à Médine en Arabie Saoudite. L'affaire remonte au 12 octobre 2015, date à laquelle l'ambassade du Burkina en Arabie Saoudite adresse une correspondance aux autorités burkinabais faisant état du décès de suite de pendaison d'une jeune burkinabais employée comme fille de ménage à Médine. Des investigations sont alors ouvertes et ont conduit les enquêteurs vers une agence de voyage de la place. Sawatou, au lieu de dire, est représenté par le sieur Sawatou Warasmane, 6 aux 1200 logements à Ouaga. Une perquisition effectuée dans son agence a permis la découverte de 179 dossiers et 40 passeports de personnes déjà recrutées à Ouaga, Bobo, Kaya, moyennant une somme comprise entre 400 000 et 600 000 francs par personne. Interrogé a présenté son autorisation lui permettant une telle pratique et déclare ne pas posséder d'autorisation. À ce jour, 282 personnes sont recrutées sans aucune forme de procédure et devraient être convoyées pour une structure privée saoudienne en quête de main-d'œuvre facile. De quel travail s'agit-il? La gendarmerie ne saurait le dire, mais tout porte à croire l'Eldorado tant recherché tourne au vinaigre. À en croire la gendarmerie, deux personnes sont mises aux arrêts pour le moment dans cette affaire.